Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle box. Et avant de commencer cette vidéo, c'est un truc qu'il faut que je prenne l'habitude de dire parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui le font. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu es nouveau. Voilà, et puis en rejoignant ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo, d'où vous aurez l'actu de ma chaîne sur les prochaines vidéos ou sur les vidéos qui sont sorties. Voilà, c'est plus ça, je pense. Voilà, bon, on va commencer tout de suite l'ouverture. Déjà, c'est un gros carton. Voilà, alors il y en a quelques-uns, ils m'ont dit c'était mieux de me voir pour l'ouverture des boîtes. On va essayer de changer un petit peu. Voilà, le carton c'est gros, ça fait 2 jours que je l'ai reçu, 2-3 jours. Et en fait, j'ai pas le temps de l'ouvrir. Un truc qu'on va faire, c'est que je regarderai la caméra de face pour pas me spoiler ce qu'il y a dedans. Mais là, c'est grosse. Alors, c'est la E-Tech Box, exactement. C'est une spéciale Star Wars. Cassez gros, vous pouvez voir. Oh, attends. Ah, voilà. Ah, là, c'est, vous voyez, là, c'est imposante. Ah là c'est balèze quoi. Je crois que c'est la plus grosse E-Tech Box que j'ai jamais eue. Parce que les deux autres, j'ai eu Deadpool et puis j'ai eu je crois les Simpsons et South Park. C'était vraiment très très gros. Alors je vais la mettre de votre côté, vous voyez. Pas de qui cracher. Puis on va l'ouvrir. Attends, ça s'ouvre comment? Voilà. Et puis je regarde pas. Ouais. Ça c'est le papier. C'est quoi ça? Ah, il y a une affiche. Déjà je le sens, il y a une affiche. Il y a une petite affiche. Voilà, la petite affiche. Voilà, mettre. Voilà. Bon, élastique. C'est stressant. Hein. Alors, on prend. Hop, on enlève ça. Et on a. On a une forme de paysage assez sympathique. Avec un méchant. Alors, je sais pas du tout qui c'est. Voilà. Est-ce que c'est Kylo Ren? Non, c'est pas Kylo Ren. Voilà, regardez, il est là. Voilà. Alors, je sais pas d'où c'est tiré comme Star Wars, mais je voilà. Moi, je connais juste les films, c'est tout. Elle est sympa. Elle est sympa. Je vais pas dire que je l'aime bien. Hein. Je suis pas fan, mais elle est sympa. Voilà. Elle est sympa. Il y a mieux quand même. Il y a mieux. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a un gros truc. Un gros truc tout au bout. Nous avons un petit t-shirt. Un petit t-shirt gris foncé. Où dessus, vous avez un très beau dessin. Où on voit Darth Vador dans son lit avec ses pantoufles à côté de lui et puis son sabre laser. En train de rêver des Stormtroopers, en train de faire les cons. Voilà. Regardez. Qu'il est pas beau, ce t-shirt. N'est-ce pas? Après, nous avons, ça c'est le papier, ça je m'en fous. Oula, là le plafond, on prendra en dernier parce que ça, ce que j'ai touché c'était gros. Là. Nous allons prendre autre chose. Ah, il y a une pop. Déjà. Nous avons un verre, un Colossians Glass. Veut dire qu'il change de couleur. Quand on met l'eau dedans, voilà. Alors, ce style de verre, j'en avais déjà eu un dans la Woodbox qui est rangé, hein, qui ne sert pas. Voilà, et ça, c'est un spécial Star Wars Rogue One. Alors, est-ce que je vais avoir l'étoile de la mort ou Darth Vador? Ah, bah, de toute façon, c'est les deux parties, hein, c'est les deux côtés. Hein. Ah, ouais, il est beau! Ah, ouais! Ah oui, il est classe. Ça, c'est du verre, ça. Alors, c'est des verres qui se passent pas à la machine. Faut surtout pas les mettre à la machine. Hein, c'est ce qu'ils disent bien, hein. Ça se met pas à la machine. Mais il est très, très beau. C'est dommage que j'ai pas de l'eau, un truc comme ça, pour vous montrer. C'est bien dommage, parce que j'essaierai de... Verre à changement de couleur. Il est très, très beau, le verre. J'aime beaucoup, vous voyez. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, j'ai regardé. Alors, après, nous avons une figurine
sur le Stormtrooper de l'épisode 7. Ouais, c'est ça, l'épisode 7 de Star Wars. Elle est très belle. Elle est magnifique. Et franchement, et putain, je l'ouvre, hein, j'en ai un branlé. Là, je vous fais un unboxing en direct d'un Stormtrooper, même pas. Oui, parce qu'après les boîtes comme ça, moi, ça part à la poubelle. Hein. Voilà. La figurine Stormtrooper qui est magnifique, que je pense que je mettrai quelque part, parce que j'ai changé encore des trucs de place, et je pense que je vais pouvoir gagner de la place, et même la mettre dans le droit de ma chambre, ça peut être sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, regardez, n'est-ce pas belle? Elle est belle, hein. Ouh. Voilà. Après, nous avons... Attends, j'ai vu, c'est ce truc que j'ai vu. Hein. Ah, nous avons une pop. Ça, je l'avais senti. Nous avons une pop. C'est le Amiral Akbar. Alors ça, c'est les mecs qu'on voit dans les vaisseaux, vous savez. On voit dans les vaisseaux pendant le jeu. Je fais attention, attention, les missiles vont nous tuer, attention. Voilà, c'est la pop numéro 81. C'est pas une spéciale machin. Bon, enfin, on va l'ouvrir. Star Wars. Et regardez cette pop. Elle est très sympa. Ah, par exemple, les boîtes des pop, je les garde, vous voyez. Voilà, c'est les seules boîtes que je garde. Voilà. Il y en a qui jettent, bon, moi je les garde. Elle est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait deux belles petites figurines. Parce que pour savoir la box exactement de box Heated Box coûte minimum 40€, quoi. C'est assez cher, je l'assume. Et mais c'est la dernière que je prends. Pourquoi? Parce que déjà ça me revient cher. Voilà, il faut choisir entre Woodbox ou Heated Box. J'ai préféré supprimer Heated Box par raison de prix. Okay, même si y a des bons trucs dedans. Ça, je l'assume complet. Je l'avoue. Il y a des bons trucs. Alors attends, il y a un autre truc. Mais je cherche un. Ah, il y a un tout petit truc qui traîne. Voilà, c'est un pins. Alors c'est un pins. Viens du côté obscur. On a des cookies, d'accord. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Enfin, focus, connard. Voilà, on a les cookies. Voilà, je vous dis franchement, j'ai arrêté l'abonnement. Hein. J'ai stoppé. Je peux reprendre, je peux réactiver sur le compte, mais j'ai préféré arrêter. Voilà, si je sais ce que c'est le prochain, je vous garde. Alors, le dernier truc, c'est ça. Oh. C'est un coussin. Il est trop beau. Ah ouais. Ah, ça déchire. Alors attends, est-ce qu'on peut ouvrir? C'est un coussin BB-8. Alors attends, c'est top. Et ouais, on peut l'ouvrir. Oh là là. Oh, il est moelleux. Il est trop classe. Regarde-moi cette tête de con qu'il a. Ah ouais, on dirait... Oh. Ah ouais, il est trop trop classe. Il est trop classe. J'adore. Il est magnifique, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Eh, je vais le mettre dans mon décor. Eh. Je vais le mettre dans mon décor par là, la laisser le coincer, un truc comme ça, faire un truc rigolo. Il est magnifique. En plus, j'adore ce personnage BB-8. Dans la nouvelle saga, c'est mon personnage préféré. Je vous l'avoue. C'est mon petit coup de cœur. Que après c'est Ray, non pas Ray, si c'est Ray, ouais c'est la gonzesse Ray, je sais plus Ray, je l'ai vu que deux trois fois dans le Star Wars 7, pas vous cacher, et par contre j'ai adoré Rogue One, je l'ai adoré, j'ai topissime le spin-off, à part le costume de Darth Vader, on dirait un costume qui vient de chez Toys R Us, hein, je vous dis pas, bon. On va arrêter de parler de film. Hein. De toute façon, c'est fait pour. Hein. Voilà. Voilà, la boîte est vide. Elle va à la poubelle, hein, bien sûr. On a le papier maintenant, avec toutes les personnes qui ont fait leurs photos. Voilà. Il n'y a pas la mienne. À la dernière fois, j'avais dit que je m'étais trompé. Il y avait bien ma photo sur le dernier papier de Heated Box. Et ça m'a fait plaisir. J'essaierai de remettre, remettre une photo. Après, je ne sais pas si oui ou non je serai dessus, parce que moi, la prochaine, je ne l'aurai pas. À part si vraiment elle m'intéresse, comme je vous dis, hein, c'est vraiment à part si le thème m'intéresse. Contenu de la box.
Un t-shirt de valeur de 20 euros qu'on a vu tout à l'heure. Alors attendez. Voilà. Un petit t-shirt d'une valeur de 20 euros. Comme ça. Là. Pas piqué d'un ton. Voilà. Une figurine Walkie Wimper. Walkie machin. Ça doit être ça. Je pense. Il dit pas de bêtises. Voilà. De 19 cm. Une valeur de 18 euros. Voilà. C'est déjà, et ça fait déjà 30, 38. Une figurine pop à l'amiral Akkar est dans la E-Tech Box avec cette figurine Funko Pop d'une valeur de 15 euros. Voilà, hop, et pour 40 euros, t'en as pour ton affaire, hein, je te le dis moi. Un verre thermoréactif vers Rogue One, Darth Vader ou Deathstroker qui change de couleur lorsqu'on y ajoute un liquide froid. D'accord, c'est froid. Valeur de 10 euros. Il est là, le verre, le voilà, le petit verre. Il y avait Darth Vader ou un Stormtrooper. Mais je suis plutôt content, pas piqué d'un ton, comme dit le cher youtubeur Amixem, de ce petit verre qui est très beau, qui va retourner dans sa boîte pour pas l'abîmer. Parce que j'ai pas envie de le casser, qui me servira un autre jour. Et un coussin Baby 8, où c'était, comme on peut dire, une tirelire Darth Vader, d'où on voit pas la gueule. Voilà, j'aurais bien voulu voir comment allait la terre Darth Vader. Si pendant le montage, je vous trouve une photo, je vous le montrerai. Voilà, le coussin BB-8 qui fait la taille de ma tête. Voilà. Après, vous avez d'une valeur de 16 euros le coussin. Hein. D'une valeur de 16 euros, comme pour le Darth Vader, en céramique. Ah ouais, c'est un peu... Après, le poster de 4 euros. Ils disent pas quel méchant c'est. Alors, si... Il y a des gros connaisseurs, des gros fanboys de Star Wars qui collectionnent les livres, qui lisent tous les romans. Dites-moi, alors attendez, parce que c'est pas facile, hein, c'est un truc qui, voilà. Dites-moi si vous connaissez cet homme-là, ce méchant, dites-moi dans les commentaires, hein, vous voyez, c'est bon, voilà. Dites-le-moi, n'hésitez pas à noter dans les commentaires tout ça, ou sur Facebook en privé. Et le dernier truc, c'est un badge d'une valeur de 4 euros, voilà. 4 euros, c'est revient du côté obscur, on a des cookies, c'est bon les cookies, voilà. Et après, sur le côté, ils disent que le t-shirt est réalisé par l'artiste Le Duc. Après, il parle du vert, mais ça, on s'en fout. Alors, ça devient rouge comme ça. Alors, je sais pas si avec la bouteille d'eau que j'ai, ça a marché, vu qu'elle est pas froide. Voilà, enfin, je teste, on va tester. Après, sur les test stores, on peut trouver pour les 40 ans de Star Wars jusqu'à 50% sur une sélection de produits de l'univers, des chaussons, un globe en forme de comment ça s'appelle, la planète... oh merde, putain, j'ai un trou noir. De la planète de l'étoile noire, voilà, de l'étoile noire. Pour mettre des glaçons, voilà. Un pull sur Darkseid. Et puis, bien sûr, tu veux des cadeaux, partage une photo de ta box sur les réseaux sociaux. Les meilleures photos de déballage postées avec le hashtag itebox sur Twitter ou Facebook gagneront des cadeaux, soit fou, soit original, soit toi-même. Ça marche aussi! À gagner en mai, une figurine Terminator, un cookie jar Iron Man. Je veux dire, un cookie jar, veut dire c'est un gros pot où tu mets plein de cookies dedans. Ou est-ce qu'ils nous livrent les cookies avec ça? Je ne sais point. Ça serait plutôt cool. Voilà, la Finger Terminator. Voilà. Voilà. Et puis après, E-Tech Store, un t-shirt acheté, un t-shirt vert, tout ça, c'est toujours le même truc. Voilà. Oh, c'est tombé dedans. Je crois que j'ai tout montré. Voilà, j'ai montré le t-shirt. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. C'est toujours plaisir. Ou deux, hein, ou comme vous voulez. Ou si vous êtes plusieurs, hein, vous tapez. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est cool, c'est gentil. Je te remercie quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Rejoins-moi sur Facebook, sur Snapchat aussi. Il y a le nom de mon Snapchat qui va apparaître. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao.